Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Entrez, n'ayez pas peur, bienvenue. Je suis en compagnie de mon gars Franck et bien sûr de mon gars. Comment il s'appelle encore? Non, GTA la vie comme une heure. Ouais. Les gars, bienvenue dans notre planque GTA dans la vraie vie. Nous sommes à Los Angeles, California. As you can see, nous avons le frigo américain. Le frigo dense. Le frigo est frais comme moi ici. Petite salle de bain coquinette, toutes sortes de chambres, nous sommes très bien, un peu d'eau fini pour se ressourcer, évidemment, le barbecue, on va faire un petit barbecue, je pense, ma planque à moi, c'est l'endroit où je peux changer d'habit, parce que si j'étais dans la vraie vie, mesdames et messieurs, il n'y a que dans la planque que je peux changer mes habits, comme vous pouvez voir, c'est ici que ça se passe, voilà, on est dans le thème, Los Angeles Lakers. Quand tu commences, tu reçois une voiture comme ça avec... On aime bien, voilà, comme dans GTA, on va l'acheter une nouvelle voiture. Oui. Appuie sur triangle, frérot. C'est bon, t'as triangle. Carré. T'as triangle, carré. T'as compris. Première mission accomplie avec franc succès, mesdames et messieurs. Je vais me requinquer. J'en ai vraiment besoin. Regardez-moi ça, le coca bien frais, chacal. Oh putain, j'avais fait faire tomber. Oh, la voiture est là. J'ai fait la commande, la voiture est arrivée. En fait, t'es pas Franck, t'es Lester. Lester a ramené la bagnole. I got you, man. Ah, thank you, bro. My body. Do you need a ride, man? Regardez, sa barre de vie va augmenter. Laissez-moi un peu vous reclaquer. Vous l'avez bien mérité, Lester. On se rejoint à la planque. Oh, le baiser mental. Oh, le malade. MDR. Bon, bah, nouvelle mission débloquée, hein. Je vais la faire tatouer aujourd'hui. Oh, ouais, pour la... Vous avez entendu ce qu'il a dit? Je vais me faire tatouer aujourd'hui. J'accepte la mission. C'est bon? T'as entendu? Ouais. Pas le propos. Entends-tu? On va faire cette mission. Merci les gars, merci le Kodak Gang. C'est grâce à vous que aujourd'hui je peux me retrouver à Los Angeles. Dans ma planque GTA. On va faire la mission Venice Beach. On va faire la mission tatouage qui m'a tendu. Je vais le faire. Quoi d'autre? Ah, tout ça là? Ah, c'est mouvementé. Hein. Ah, non, non. Ah, mais là, il faut regarder toute la vidéo. Carrément, lâche ton like. Là. D'ailleurs, le Kodak Gang, sachez que j'ai tourné plein de vidéos aux États-Unis. Il y a des arrestations de police, des bagarres, des soirées, et on a même été à Las Vegas. Donc, si tu veux pas rater ça, abonne-toi et active la cloche. Je compte sur toi, frérot. Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec tout ça. Hein. Moi, j'appelle le FBI. Hein. On va le laisser dans le biais. Y'a pas mieux, y'a pas mieux. Salut, y'a pas mieux. Kodak Gang, Kodak Gang. On respecte la speed limit, t'entends? On a la ceinture toujours. Première mission, faire passer quelqu'un clandestinement. C'est mon dingue, j'ai même pas à commenter la vidéo. Là on a une POV vraiment dans GTA. C'est une promesse que j'ai fait là maintenant à mère nature. Je vais venir habiter ici pendant une période de ma vie. C'est sûr et certain. Minimum 3 mois. 3 mois. 3 mois. Minimum, vous avez bien entendu. Retenez bien le propos. Je vais venir habiter ici. Mesdames et messieurs, bienvenue
au pier de Santa Monica. Ici, nous allons faire juste un petit tour, voilà, pour vous montrer comment ça se passe ici. Et après, les vraies choses vont commencer, toutes sortes d'activités. C'est la voiture de Karl, c'est toi le mec, le chef là. Le... Ah ouais, je pensais que c'était un vrai officier, moi. Mais moi aussi. Mais c'est un fou. Ouais, je pense. Bah, dites dans les commentaires, on va débattre. Hein. Vous pensez que c'est un vrai policier ou un fou? Alors, regarde là, on rentre. Pacific Park, bro. J'ai même pas les mots, et ce n'est que le début. Ok, maintenant, c'est Arthur. Alors, petit résumé de cette petite balade à Santa Monica. Alors, on va juste éviter les droits d'auteur avec ces musiques, là, vite. Run. Oh non, encore de la musique, là. Encore de la musique, écoutez pas, on va mettre une autre musique, là. Où sont nos copains? Où sont les copains? Nouvelle mission, trouver les copains, boum. Allo Robinson, trouve les copains. Ah ben, ah, des copains à nous. D'autres copains. Nouvelle mission, c'est dégoter un vélo. Allez, c'est parti. Donc du coup, comme vous avez moins de 18 ans, vous devez mettre un casque. Je veux vous voir avec les casques, ça va être bien drôle. Oh là là, transition casque. Hé hey, garçon, tu dois mettre ton casque. Gros. Hé, qu'est-ce que tu fais? Il doit porter un petit casque ou non? T'as pas l'air serein sur le vélo. Et le bruit galère. Ouais, il l'a cassé. C'est pour la saison d'action. Ah oh, il te l'a enlevé en 2 secondes. Il galère. Non, c'est comme ça qu'il faut filmer. Ok, vas-y, moi. Ça filme. Oh, ouais. Oh, t'as vu, ça n'arrête jamais ici. Allez-vous. Allez. Percy Jackson, Taiwan, le beau gosse de la playa, Harold. Et le seul unique, Clément, le caméraman. Regardez-moi cette équipe qui part à la conquête du monde. Hey, what's up? Kodak, Kodak, Kodak gang, Kodak. Tout pour le gang, tout pour le gang, tout pour le Kodak gang, tout pour le gang. Regardez la tenue secrète. J'aime bien ce que je vois autour de moi, des cornes, des bords parallèles, toutes sortes d'épreuves qui... Ok, ah ok, par contre la vue, guette la vue. Guette la vue mon gaillard. Ah mais c'est pas de la balançoire là, c'est du balancement de... Mais il balance la terre carrément, c'est grâce à lui que la terre tourne. Mais le mec est complètement dingue. À tout moment il y a une tente qui lâche. Mais wesh. Avec l'hélico qui passe, c'est totalement normal. Totalement Los Angeles mon ami. Je viens dépenser la gymnastique, c'était marrant, mais là faut que je rentre, faut que j'aille dans le BMI5, il faut que j'appelle l'Esther. Yo. Allô. Ah, Lester. Ouais. Ouais, il faut le X. Qu'est-ce qu'il faut? Retrouve-moi à la plage. J'arrive de suite. Salut Lester. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Super. J'aurais besoin d'une auto. Ouais, j'ai ce qu'il faut. Où ça? Au parking. Ah bon? Suis-moi. Ok. Wesh. Enfin, bordel de merde, mais... Vroom. Arriba la cuenta. Ah, la planque, parce que là je dois me changer. Ah merde, mais je me suis déjà changé. Oui. Ça va très vite ce truc, regardez bien. Merde. Demain on va faire toutes sortes de choses. Donc vous inquiétez pas, vous allez en avoir pour votre argent. C'est TJ, on se voit bientôt. Ah mais j'ai oublié ma planque, elle est là. Merde. Et mon poteau va tester ma putain de bécane. Gros, tu sais que j'ai fait des dingueries avec ça, c'est incroyable. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il va nous faire?
Salut, moi c'est Joby. Vraiment là, avec la veste en cuir, le jean de moteur, parce que c'est la bagarre. C'est pas que ça plaît. Ça dringue. Moi je la prendrais pour pas cher comme ça. Ouais, tu la prendrais. One shot. Et moi, 3 shots, je rajoute 3ème. C'est à l'achat. C'est le cranberry sur le crumble. Venez, on quitte vite le magasin. Bon, les gars, nous sommes au Deba Chicken. Et j'ai pris le spice au monde. Je dois signer. C'est tellement plus tard que je peux avoir des problèmes intestinaux. Vraiment du pain de mie et fournis avec. Oh. Non, c'est quand ça pique sa mère. Hein. En plus, hein. Oh. Parce que lui, il va souffrir. J'ai pas signé la convention moi. Ouais, t'es celui qui a eu plus de couilles que eux à fond. Je pense que ça va être piquant. Ouais, mais ça va, ouais, le goût est bon, en vrai ça va. Tu es tolérant, mais. Mais, on admet. Ça va ? Alors ? Je suis tolérant. Comment il a fermé ça ? On va pas voir la différence entre mon polo et mon visage, frère. Et non, je me sens pas bien. Moi, je dégueulasse. Waouh, frère. Non, Michel, je suis tolérant, mais. On admet. GTA dans la vraie vie, nous sommes de retour. Vous devez tous reconnaître cet endroit, montre-leur. Normalement, j'ai rien à dire, vous reconnaissez l'endroit. Mes gars de GTA, mes gars de GTA RT connaissent. Pour GTA normal, c'est ici que tu viens récupérer la Bugatti Veyron. Elle spawn ici. Ça, c'est vraiment la rue. Je vous souhaite à tous un jour venir à Los Angeles. GTA de base, hormis GTA, elle est trop d'art. Mais si tu joues à GTA et que tu viens ici, c'est comme rentrer dans le jeu en fait. À tout moment, tu appuies sur une touche, l'arme elle sort. Hein. Mais en plus, moi tu sais où je vais arriver, je pense que tu sais où je vais arriver. Dis ce que je pense. Ça s'affiche à l'écran ce que je pense, on va voir s'il aura raison. Là où il y a la bijouterie. Merci. Je vous jure les gars, mais c'est vraiment ce que je pensais. Oh, c'est pas ici qu'elle est la Bugatti normalement. Non, ouais, je pense que c'est là. T'as laissé ta voiture ici? Ah, mais c'est pas que j'ai laissé la voiture. Non, c'est surtout que j'ai laissé les clés. Ah, je vais pas pouvoir l'ouvrir. C'est la merde. Mes joueurs de GTA qui jouent au GTA mode histoire. Oh, la Bugatti normalement elle est ici. Et des fois tu viens, elle est pas là. Des fois tu viens, elle est là. Voilà, elle est pas là. Oh merde, mais Birk. Non, content. Hi. I love the car. I really love it. Ouais. Ah, mais c'est mon chauffeur. Oui, il est parti la gare. Oh, et là. Là, c'est vraiment des pop incroyables. Oh, non, mais ils sont où les autres collègues? Ils étaient là là-bas, c'est qu'ils faisaient la pie. Puis je sais pas. Les collègues! On est perdu dans la matrice. Ah, vas-y, on peut traverser. Oh, un nice car, hein. T'as vu ce genre de plan? Ouais. Allez, d'art. Eh, merci. Allez, je suis trop sympa ici. Bon, il nous a fait des signes et tout directement. Pourquoi alors qu'on lui a rien dit? Peut-être qu'il a vu, on était sympa. On a préparé les braquages pour la bijouterie. Voilà, les deux. Oh, il me dit vraiment. Si vous voulez, je vous dise mot pour mot ce qu'il m'a dit. C'est qu'il m'a dit, viens au Banisaga. Il y a un gars, il a de la moula et il a un flingue dans son sac. Quoi? Il y a un offset. Il y a offset dans le Balenciaga? Quoi? Il y a offset? Quoi? Quoi? Il y a offset dans le Balenciaga? Alright guys, we're closed. We have some friends in here. Yeah. We just want to talk to our friends. We're closed, sorry. Please. It's once in a life, there is offset in the store. It's one time in a life. Le mec le moins sympa du monde, hein, sachez-le. Des groupes, ils vont faire. Comme ça. Excuse-moi. Parle français? Ouais, on parle français. Ouais, créer la France, t'es ça l'influenceur qui ouais, est. Ouais. Prends une photo avec mon gars, c'est bien. T'as fait lui, il m'a passé, t'as fait. Ouais, bien sûr. Hey, je le connais. Ah, bien sûr. Avec grand plaisir.
Ah, merci à vous, ça fait plaisir. J'aime beaucoup les tatouages. Ouais, c'est parfait. Vous êtes du Québec, Montréal? Ouais, Montréal. Bon, c'est ça. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Ciao. Regarde le bâtard. Guette la taille du rat. Guette le rat. Guette le rat. Look at the rat. Ouais, c'est quelque chose comme ça qui peut. Mais c'est le bouc là-bas, là-bas. C'est le bouc. Mais gros, la glace elle est tombée. Ouais, mais c'est qui le bouc? C'est le gars là-bas avec sa casquette là. MD. Et là-bas, il y a des gars, ils font des fautes. Mais la rue, elle n'a aucun sens. Non, je comprends pas pourquoi elle a lancé sa glace. Je te jure, il ramasse. Ah, mais gros, c'est ce qu'il a fait. Oh, par contre, il a jeté sur une culinane, frère. Je te jure que son shot il vaut. Pourquoi il fait ça? Gros, c'est James Harden. Oh, j'ai même pas envie de le déranger, à fou. Tape une pix au CLM, frère. Gros, le bouc du Tadjarsa, la fou. Fais des pix, à fou. Oh, je vais vous demander. C'est bon, mais écoute, j'ai le sardin. Or he could drive on you. Oh, 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 oh. Look at his chops. It's his... Oh. He fell down. Oh. Oh. Gars, non, mais les gens se rendent pas le son. Moi je suis dans ma famille, je suis celui qui connaît le moins le basketball. Par contre tous mes frères et sœurs ont fait du basket pendant des années. Même moi j'ai fait du basket, j'aime les leçons de mon cœur. Tout petit, j'aime le basket, mais je ne le pratique pas vraiment trop. Mais James Harden, je sais ce que ça représente. Et je sais que là mes frères, quand je vais leur envoyer, ils vont péter un plomb. En fait c'est surtout pour ma famille, pour mes frères, je suis pas de. J'aurais bien aimé qu'ils soient à mes yeux, qu'ils voient ma passe. Bah il y a James Harden les gars. On voit vraiment bien là. Ouais ouais, de ouf. Non. Allez, s'il te plaît. Le gars, je suis d'accord, à des moments comme ça, il faut saisir l'occasion. Mais là, j'ai senti que le gars n'a pas envie de déranger. Il a juste envie de faire sa vie. Oh, mais j'ai tapé des photos devant sa voiture. On a tapé des photos devant la voiture de James Harden. Il y a des gars qui sont juste là. Ils ont juste des doucios. En parlant à James Harden, et après, il va venir les choper. Hein. Attends, ma miniature, elle est là. Hein. Vas-y. 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 Go. Il y a James Harden de bas. Oh putain, non, mais j'ai même plus de mots. Non, par contre, là, il est. Mais regarde comment il a disparu. Wesh. C'était parfait. Il a disparu vraiment, gros. Eh ben, c'était parfait. Si tu l'as senti, t'es trop fort. Vas-y, voilà. Il est là. Oh, excuse-moi. Quand la guette a fait le chien, c'est bon. Wow, pause, devinez c'est qui se lance sur Twitch les gars? Bah c'est moi Chacal, bah oui. Premier live Twitch les gars, ce mercredi 24 août à 18h. Je compte sur vous, c'est là d'ailleurs que je vous dirai pourquoi j'ai été absent de YouTube pendant 8 mois. Mon frère rate pas ça, mais bref, après je te laisse avec la vidéo parce que là j'abuse un peu de ton temps. Et bref, bisous. Oh yes, sorry. Les gars, je pense que vous reconnaissez cette allée, la rue de la bijouterie. Ah. Là, on vient un moment de fou, les gars, en fait. Si tu crois en tes rêves, bah, ils viennent à toi. Donc, on essaie d'envoyer le max de bonnes ondes. Avant, on était avec Offset, on était dans la rigolade et tout. Et après, on s'est tous posés, on a un peu parlé. Les gars, comment repenser à qui on était, repenser où on est, regarder ce qu'on vit. Et du coup, ça nous a mis dans une mentalité où on a arrêté de filmer et on voulait juste vivre la chose, espérer un jour pouvoir venir ici vivre 3 mois à 3. Je vais venir habiter ici pendant une période de ma vie. Minimum 3 mois. Arriver dans de belles caisses, comme tous ces gens. Voilà, je vous mets un peu sur ma voix. Après, un bon entendeur, évidemment. On m'arrête sur ces sages. Bouge, what the fuck? No, what the fuck? Dingue.